Au moins 5 grands hôpitaux parisiens, toujours en grève. Nouvel échec ce matin des négociations entre direction et personnel. Seulement 61 postes ont été proposés par la direction pour tous les services d'urgence. Les grévistes en réclamaient 700. Le personnel hospitalier, souvent agressé, est à bout. Reportage à l'hôpital Saint-Antoine avec Jean-Baptiste Gradiani et Thibaut Cordier. Le personnel des urgences de l'hôpital Saint-Antoine n'est plus seul. Après une énième agression sur 5 soignants à la Salpêtrière la semaine dernière, d'autres hôpitaux ont rejoint la grève. Un mouvement entamé ici il y a presque un mois, car les agressions physiques de patients se multiplient. 9 depuis le début de l'année, dont 5 en une nuit au mois de mars. Tous mes collègues ont déjà subi au moins une agression, que ce soit verbale ou physique, au sein des urgences. On va du crachat au coup de poing en plein visage, à la déviation de la mâchoire, au tirage de cheveux. Donc on est dans une extrême violence. Des violences qui laissent des traces sur le corps, mais surtout sur le mental. Psychologiquement, c'est très dur parce qu'on a choisi un métier où on est là pour aider les gens. Il faut revenir sur le lieu de son agression. C'est comme si on vous mettait sur un trottoir où vous êtes fait agresser puis qu'on vous laissait pendant 7h36. Il y a des soignants qui ont décidé de quitter les urgences parce que ça leur a laissé un traumatisme très profond. Au cours de la grève, les patients seront tout de même accueillis par les soignants obligés d'assurer la continuité des soins. Ces derniers porteront un brassard en guise de protestation.